Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit dans la communauté, j'allais vous faire une vidéo avec une petite surprise. Alors là, on va en parler après de la petite surprise. Bon, là déjà la grosse surprise, hein, comme d'hab, la vieille fille. Alors là déjà, bon, je vous fais la vidéo en posant mon téléphone sur l'ordinateur parce que je ne peux pas aller sur ma table. Je vous explique pourquoi. Bon, notre table de salle à manger commençait à être bancale. Donc, merci. Elle commençait à être bancale. Bon, on a profité que ça allait être Noël, on dit on va se faire un petit cadeau. Donc on s'est commandé une nouvelle table, donc avec les chaises bien sûr, tant qu'à faire. Et je me suis repris en même temps une petite bibliothèque pour mettre ici à côté de mon bureau, où il y a pas de, on met pas de livres, hein, c'est juste... c'est surtout pour y mettre mes bibelots, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est des produits qui viennent d'Allemagne, que j'ai eu sur Amazon. Normalement, on devait recevoir pour, entre le 28 et le 31. Donc, là, aujourd'hui, on est le 22. Je reçois un SMS ce matin. Comme quoi les transporteurs des PD viennent aujourd'hui. D'accord. Je trouvais ça bizarre, donc j'ai vérifié sur Amazon avec, parce qu'il y avait le numéro de commande et tout ça. J'ai dit, bon, ben, c'est les meubles qui arrivent. Donc j'ai téléphoné pour savoir vers quelle heure un livreur arrivait, parce que quand c'est des meubles, hein, au mieux quand même avoir de la place. Et donc, ils me disent, bon, il vient vers 13h, entre 13h et 15h. Bon, c'est bon, ça va. Donc, du coup, ce matin, Chouchou, ben, quand la table était très grande, hein, celle qu'on avait, dit, bon, je vais démonter la table, parce que, bon, de toute façon, elle était morte. Hein, elle pourrait y aller, aller au fond du jardin pour partir à la déchetterie. Il a démonté la table. Moi, j'ai monté les chaises, les anciennes chaises. On a profité pour nettoyer la maison à fond, tout. J'ai eu un premier transporteur qui, là, c'était GLS. Parce que du coup, j'avais recommencé de commander des coussins pour mettre sur les nouvelles chaises. Coussins que je devais recevoir en janvier. donc bon, bah, tant mieux, hein, je les ai reçus. Et petite heure après, ouais, même pas, donc on était toujours le matin, deuxième transporteur, le transporteur des PD. Donc comme normalement on devait avoir quatre colis, j'ai tout de suite mis les chiens dans la cour pour pas qu'ils embêtent, c'était une dame, hein, le transporteur. Bon, c'est pas qu'ils l'embêtent et puis qu'ils sauvent dans la rue, on sait jamais. Elle met un colis, elle fait, bon, ben, au revoir, bonne journée. Il y a un problème. Il n'y a pas qu'un seul colis, il y a quatre colis. Elle fait, non, nous, on a, elle dit, moi, je n'ai que ça. Je dis, d'accord. Puis, je vois la taille du colis. Je dis, ça, c'est pas la table. C'est pas la table du tout. Alors, avant d'ouvrir, je dis, bon, parce que c'était écrit en allemand dessus. Si ça ressemble aux chaises, je sais pas, on dirait les chaises. Bon, on a déballé de colis. Et en fin de compte, c'était ma bibliothèque, donc l'étagère bibliothèque. Donc on l'a montée, je vous mettrai une photo après. On l'a montée. Et j'ai rappelé les PD, si vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autres colis qui arriveraient avec un autre camion après-midi, où elle fait, ben, elle dit, je sais pas, elle dit, il faut que vous rappeliez le vendeur en Allemagne, hein,
Vous nous donnez le numéro du colis et puis on vérifiera. Donc j'ai renvoyé un message, mais par le biais d'Amazon. Et puis ben, maintenant j'attends. Le souci, c'est qu'on n'avait plus de table. Noël approche. Du coup, sans savoir s'ils vont quand même nous livrer ben, demain ou après-demain, on a dû aller. On a une table qui était dans la cour, enfin, on a la table du jardin dans la cour, mais qui est complètement pourrie à force d'être dehors. Et on avait une table en fer forgé, mais une petite, vous savez, les tables bistrot. Une table en fer forgé avec le dessus en marbre, mais c'est vraiment la table bistrot. Vous mettez deux chaises, hein, c'est tout. Mais moi, dans ma cour, tout verdi. Hein, quand c'est l'hiver, j'ai plein de mousse verte, tout. Donc, il gèle. Donc, on a été nettoyer la table, tout. Et du coup, ben là, on a remis en attendant la petite table bistrot. Pour pouvoir manger, parce que du coup on n'a plus de table de salle à manger. Youpi! Donc maintenant j'espère, mon Dieu, j'espère que demain ils vont nous livrer le reste. Bon, encore les chaises, c'est pas urgent, j'en ai. Mais bon, enfin, si je les veux, hein, je les ai payées. Mais je veux dire, la table, maintenant, c'est ce qu'il y a de plus urgent parce que bon, on n'est qu'à deux à Noël, mais ce serait sympa de manger sur une vraie table, quand même. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu faire ma vidéo sur la table, parce qu'elle est trop petite. Donc je suis sur le bureau, le téléphone sur l'ordi. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Donc, je vous mets une photo de la bibliothèque. Là, bon, vous la voyez pas entière parce qu'elle est devant ma porte de cave. C'est l'endroit où je mets cette étagère, cette bibliothèque. Donc, j'ai un peu de mal pour la photographier. Mais voilà. Bon, elle est super belle. Ça fait un peu style industriel. Et après, j'ai dit, bon, après un petit peu à la fois, je changerai mes autres meubles, mais un par un, pour avoir toute la pièce avec les mêmes meubles. Parce que là, bah, du coup, ça va être un peu un meuble d'un sens, un meuble de l'autre. Ça ne fait pas trop top. Voilà, mais bon, c'est des meubles nickel. Donc là, ce sera des meubles que je pourrais revendre. Donc, c'est bon. Et maintenant, j'attends ma table. Voilà, pour faire Noël sur la table. 'histoire du jour. Maintenant, revenons au sens de la vidéo. Voilà, c'est pas le mot que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Donc ce matin, je suis allée chez Action parce qu'en plus, comme je savais qu'ils allaient me livrer normalement, je suis allée chez Action pour acheter une nouvelle nappe. Et parce que ma table va être plus petite, donc il me fallait une nappe plus petite, mais bon, ils avaient que des grandes nappes. Enfin, ça, c'est pas. Ouais, soit. Et aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'était le jour des promos. Et donc, j'ai vu qu'ils avaient sorti des Pulse. Voilà. Donc, j'ai acheté un Pulse. Bon, j'aime bien faire du Pulse, mais ça fait très, très longtemps que j'en ai pas fait. J'en avais eu un en partenariat, pardon, il y a un petit moment. Mais bon, la qualité n'était pas top, top. Donc, je n'ai pas continué. Donc, je me suis pris un Pulse ce matin, donc à Action. Il y a plusieurs modèles, 5 ou 6 modèles, je crois. Voilà. Et c'est des 1000 pièces, c'est tous des 1000 pièces. Alors, il y a des modèles. Il y en a un avec un lion, il y en a un que c'est un grand paysage, donc un grand ciel bleu. Après, je ne sais plus ce qu'il y avait.
Voilà, mais bon, si j'oublie pas, je vous mettrai des photos des puzzles qu'il y a donc en ce moment chez Action. Donc, voilà le puzzle que moi je me suis pris. Hop là, ça va. Il y a le plastique. Voilà. Donc, c'est un paysage, vous voyez, genre petit village, mais avec la tour Eiffel dans le fond. Pourquoi pas? Donc, c'est à 1000 pièces. Donc, je n'ai pas encore ouvert, donc je n'ai pas vu à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. Pardon. Je crois que j'ai attrapé froid en allant nettoyer la table dehors. Alors, hop, hop, hop. On va essayer d'ouvrir la boîte avec les ciseaux sans couper Fifi au passage, hein, ce serait bien. Alors, ce n'est pas des choses très chères, hein, bien sûr, comme d'habitude, hein, chez Action. Je crois de mémoire que c'est 2,99 € ou 2,59 €. Mais enfin, bon, je suis dans ces eaux-là. Hein. C'est moins de 3 €. Plastique là. Et, donc je vous remontre là sans plastique, ce sera peut-être mieux. Voilà, vous voyez. Et donc voilà, ça se présente comme ça dans un sachet, bah, comme tous les puzzles. Hein. Bon là je vais pas l'ouvrir tout de suite, enfin bon je vais peut-être ouvrir un tout petit peu pour regarder la qualité, j'ai mis mon ciseau, pour regarder la qualité de des pièces, pardon, moi je crois que j'ai attrapé froid. Alors, on va en prendre une, non ça va, non ça va, elle reste rigide, vous voyez. Donc, voilà l'épaisseur, ça va, c'est bien. Donc là, il y a 1000 pièces. Donc je le ferai un petit peu avec vous de temps en temps. Sans, je vais pas le faire tous les jours, hein, je pense pas. Mais je le ferai un petit peu à chaque fois avec vous. Et comme ça, on verra. excusez-moi, ben, l'avancement. Alors, la taille, chose importante, c'est ça que je voulais regarder, que moi je n'ai pas regardé. Alors, en français, s'il vous plaît, est-ce que c'est marqué quelque part? Non. Non. Ah, ici. Alors, il fera 68 cm sur 49. Ça va, c'est pas énorme. Donc prévoir une planche en carton, voilà. Bon, j'ai mon tapis de puzzles aussi moi en haut, si je veux. Donc je verrai si je fais sur mon tapis de puzzles, parce que mon tapis de puzzles, si vous voulez, c'est du tissu. Et quand vous faites votre puzzle, une fois que vous arrêtez dans la journée, vous le roulez, voilà. Ça fait que les puzzles ne partent pas. Mais bon, je verrai si je le fais sur mon tapis ou si je le fais sur un carton. Je verrai bien. Voilà, qu'est-ce qui marque d'autre? Excusez-moi. Ça vient de Néerlande. Néerlande, Néerlande, Norvège, c'est ça, hein? Norvège, oui. Mais je cherche la Made in. Est-ce que c'est marqué Made in quelque part? Non, ben c'est néerlandais. Hein. Donc, il n'y a pas de Made in China dessus. Donc, ça va. Donc, c'est la marque King. Ah, bon, je cherchais la taille. Elle était marquée là en bas. Donc, voilà. Mais, comme je suis une gentille fille, voilà, je me suis dit, pourquoi moi, je vais faire un puzzle et que mes petits abonnés n'en feraient pas un. C'est pas une bonne idée. Donc, je vous en ai acheté un. Bon, je n'ai pas acheté plusieurs, hein, mais bon, c'est Noël, hein, c'est la fin de l'année.
je vous ai acheté Apples et je vous ai pris ce modèle-là, la nature. Alors, on va essayer de vous montrer, voilà, comme ça. Voilà, donc c'est une forêt, alors il y a, bon, il y a un paon, il y a un petit bambi, il y a, il y a une biche, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a des petites colombes. Il y a un raton laveur, des lapins, un renard. Qu'est-ce qu'il y a encore comme animaux? Ben, c'est tout pour les animaux. Les papillons, puis les fleurs, les arbres, voilà. Voilà. J'ai trouvé celui-là très joli. Et j'ai pensé qu'il vous plairait. Voilà. Donc, c'est un 1000 pièces aussi, hein, bien sûr. Et du coup, la taille... 68 sur 49, c'est la même taille. Voilà. Bon, là, il n'est pas ouvert. Hein. Il est encore sous plastique. Hein, donc, vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas ouvert. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. Donc, comme d'habitude, si vous voulez participer pour gagner ce Pulse, vous savez comment ça marche. Mais je répète, pour, même pour ceux qui connaissent, mais surtout pour les nouveaux, nouveaux et nouvelles abonnés. je dis toujours, d'abord un petit bonjour, un petit bisou, voilà, dans le commentaire, sous la vidéo. Et vous notez, je participe, voilà, tout simplement. Alors, par contre, si vous n'en voulez pas, vous pouvez mettre un commentaire aussi, mais du coup, vous me précisez que vous ne participez pas. Hein. Vous marquez « je ne veux pas participer ». Voilà, comme ça, je le sais aussi, pour pas que je vous donne un numéro. Parce que, bon, je pense qu'il y en aura quand même qui ne voudront pas participer. Parce que, bon, les Pulse, c'est pas tout. Tout le monde n'aime pas. Ça, je le sais. Vous marquez un petit bonjour, je participe, un petit bisou, voilà. Et alors, on va laisser ce petit mini concours. Donc là, on est le 22, enfin, à l'heure où je vous parle, là, au moment où je filme la vidéo. Donc, vous allez voir la vidéo le 23. Donc, on sera jeudi 23. Attendez, je vais reculer un tout petit peu mon téléphone pour vérifier une petite chose. Je tape un truc sur l'ordi pour avoir une date. Hop. Ah bah oui, c'était bon alors. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Alors, on est le 23. Nous sommes le 23 et je ferai le tirage au sort le jour de la fête des rois, le jour de l'épiphanie. C'est l'épiphanie, c'est bien ce que je dis. Le 6 janvier, voilà. Donc le 6 janvier, je ferai le tirage au sort. Donc ça nous donne, parce que comme il y a les fêtes. Il y a peut-être des personnes qui sont parties en vacances, personnes qui sont en famille, qui ne vont pas voir la vidéo tout de suite. Donc, je vais vous laisser. Donc, le concours s'arrêtera le 5 à minuit. Voilà. Et le 6, pardon. Et le 6, donc le jour de l'épiphanie, de la fête des rois, je ferai le tirage au sort. Donc, on saura si on a une reine ou un roi. Voilà. Et qui gagnera le Pulse. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite surprise improvisée vous aura plu également. Je crois que je vais aller prendre une pastille, parce que demain je ne vais plus avoir de voix. Et nous, on se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos. Même avant Noël, hein, vous inquiétez pas, j'ai encore quelque chose de prévu. J'ai encore une vidéo à vous faire. Une, deux. Ouais, je crois que j'ai encore deux vidéos à vous faire avant Noël. À moins que mes meubles arrivent et que j'ai moins de temps. Mais bon, on verra.
Sinon, pour ceux qui me verront, qui pourront pas me regarder d'ici Noël, bah, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël en famille, en vacances, avec les amis, voilà. Et je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous et soyez nombreux à participer. Bisous bisous.